And they say end the clash and best with tea. Je veux rendre hommage, mesdames, messieurs, chers camarades, pour ce succès et vous exhorter à plus de solidarité, à plus d'engagement militant pour que la vocation de notre parti, qui est celle de rassembler les Guinéens, qui est celle de tuer dans ce pays les taux de crise, qui est celle de capter les réalités guinéennes, la violence de toutes ces formes, cette vocation puisse être mise en œuvre, quel que soit le prix à payer, pour que vive la Guinée et pour que notre grand parti puisse rester le parti national et le premier parti en République de Guinée. Dans les semaines qui vont suivre, le parti va se déployer partout pour revoir les structures, pour redynamiser cela, pour nous mettre en ordre de bataille pour les futures élections municipales, législatives et présidentielles. Je veux vous inviter que dans ce combat, nous devons nous dresser comme un seul homme. Essayer de dépasser nos égos personnels. Faire appel à ceux qui sont hésitants. Expliquer à ceux qui ont du mal à comprendre que seule l'unité peut servir la cause du parti, que seule la solidarité militante pourrait nous conduire à plus de succès pour garantir au RPG sa place de parti premier degré. Je voudrais terminer en souhaitant aux braves femmes un bon ramadan, parce que le poids de ce ramadan repose en priorité sur les femmes. Vous allez faire la bonne cuisine pour nous pendant que nous allons sommeiller sur les arbres. Vous êtes au soleil dans la cuisine pour faire la cuisine. Que Dieu vous facilite cela. Que Dieu facilite à tous les braves musulmans de Guinée un bon mois de ramadan. Vive l'RPG. Vive le professeur champion Alpha Condé. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président du Parti, la salle d'aujourd'hui est levée. Je vous remercie.